initiative pour ce magnifique projet que nous considérons un ajout précieux à notre expérience professionnelle. Alors après la première rencontre avec Madame Humain, nous avons reçu une idée claire sur le projet, sur ses objectifs et ses outils. Oui, c'est le développement des compétences linguistiques des élèves à travers la littérature de l'enfance et de la jeunesse. Comment le faire? En suivant des pistes motivantes qui placent les élèves dans des situations de communication, favorisent la liberté d'expression chez lui et éveillent la curiosité intellectuelle, encouragent la créativité. Et puisque notre école médium d'autobord, nous avons déjà choisi depuis des années de suivre le chemin interscolaire, c'était notre premier choix. En retournant à l'école et pendant une petite réunion avec les membres du club, nous avons dévoilé la nouveauté. Désormais, nous allons travailler en français. Les yeux des élèves sont grands ouverts, les chuchotements ont rempli la salle. Mais que se passe-t-il? Maîtresse, s'il vous plaît, travaillons en arabe. Mais pourquoi pas en français? Monsieur, je ne comprends pas bien les textes français. Je sais. Maîtresse, je n'arrive pas à parler couramment en français. Mais ce n'est pas un problème. Monsieur, je n'articule pas bien. Je comprends. Écoutez, mes chers. Toutes ces difficultés sont la raison de notre projet. Nous travaillons ensemble, vous allez les dépasser. Vous avez le droit de faire des erreurs. Vous avez le droit de ne pas être parfait. Mais nous sommes sûrs. Nous sommes sûrs que vous êtes capable. Vous possédez les ressources en vous pour réussir. Nous avons confiance en vous. Vous avez confiance en nous. Et le travail a commencé d'une séance à l'autre. Pas à pas, une réussite collective progresse. Nous voilà aujourd'hui devant vous avec un résultat dont nous sommes fiers. Nous vous invitons à découvrir notre petit bijou, à déguster le fruit de nos efforts, notre pièce de théâtre, l'union fait la force.